Salut les amis, c'est MMC Miloton, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Go. C'est vrai que ça fait un moment, entre parenthèses, que j'avais pas fait de vidéo dessus. La dernière que j'ai faite, que vous avez peut-être regardé, c'était au mois de juillet ou septembre, octobre, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement quand c'est que je l'ai tourné. Je l'ai publié il n'y a pas très longtemps, c'est vrai. Mais voilà, donc là il fait un petit peu frais chez moi et on est toujours dans le même parc que d'habitude. Après c'est le fond qui change un peu parce que je suis pas sur le même banc, etc. Bon, on s'en fout. Donc j'ai pas mal de petites évolutions que je vais essayer de faire. Dans la première G, normalement j'ai pas grand chose d'intéressant à faire évoluer. Quoique je dis rien, mais peut-être que si en fait. Attendons voir. C'est quand même. Toi je peux pas te faire évoluer toi. Ah si, mais j'ai pas assez de bon goût. Dommage, je peux pas faire boule de langue. Tant pis. Rhinophéros, pas assez de bonbons non plus. Le Vénard, je l'ai déjà. Poissirois, non, je l'ai déjà fait évoluer une fois. Cisaiox, déjà fait évoluer aussi. Et les câbles. Ça ramouille. J'ai pas assez de bonbons non plus. Allez, pour le fun, on se fait évoluer un Evoli, pour le fun, hein, parce que j'ai pas encore les derniers, et puis en plus, ouais, bah en fait, il y a juste les derniers, parce que j'ai pas encore Philali et, écoutez quoi, l'autre, Givrali et Philali, ouais, visiblement, c'est pas le cas, mais je peux pas l'avoir, ok, c'est pas un problème, 21, donc j'ai pas de quoi faire une autre évolution. On va se faire un petit Porygon 2, si je me trompe pas. En plus, j'ai un paquet de machin, donc on va le faire. Allez, hop. Ces objets-là, en règle générale, ça va parce que je tourne quand même des Pokéstops tous les jours. Même si, voilà, comme ça, ça rajoute un peu dans le Pokédex encore. Hop. Donc, on rentre vite fait dans le sujet parce qu'au final, j'ai pas envie non plus de faire des intros trop longues. Et puis déjà que je parle pas mal, je raconte beaucoup de conneries, etc. etc. Oh bah on peut même en refaire une évolution, on peut faire un Porygon Z. Allez, let's go. Je l'ai pas, on va le faire tout de suite, comme ça fait deux Pokémon en plus dans le Pokédex. J'en ai pas 50 000 non plus des trucs de Sinnoh, etc. etc. Hop, voilà. Un petit Porygon Z, je sais pas s'il est bon à IV ou quoi que ce soit comme ça. Oui mais je suis con parce que Givrali et Philali, je peux les avoir qu'avec les leurs. Ah si, il est full. Ah ouais bien. À 3000 quasiment. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je crois que là je suis pas mal non plus. Je crois que. Non, je peux rien faire. J'en ai eu qu'un seul de Togepi. Qu'est-ce que je peux faire? Eliatron, j'ai déjà fait évoluer. Cornèbre aussi. Pomme de pique. Non, pas assez de bonbons. Je regarde un petit peu, c'est vrai que je me concentre dessus. Les fers furets, je pourrais le faire évoluer aussi, mais j'ai pas les bonbons. Toi, est-ce que je peux faire évoluer? Bah tiens, allez, on fait un Mamochon en deux spi. Je crois qu'après, j'ai plus de pierres de Sinnoh après. Derrière. Par contre. C'est un peu dommage, mais j'en ai plus. Hop. Nickel. Je sais même pas si c'est un bon IV ou pas. Là, franchement, c'est vraiment, j'en sais vraiment rien. Ah si, il est pas mal. Oui, il, en tout cas, il est un bon PC. Qu'est-ce que j'ai pas fait? On va se faire un Ludicolo, parce que Ludicolo, j'en ai pas. Et j'ai de quoi le faire évoluer, bien sûr. Hop, allez.
Donc j'espère que ça se passe plutôt bien, parce que là encore j'essaye une nouvelle caméra. Voilà, j'ai acheté il y a un petit moment déjà, que j'ai toujours pas essayé. Parce que on va dire que j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps. Là je reprends un peu le temps de faire certaines choses, etc. etc. Donc voilà. Donc je prends vraiment mon temps, je fais ce que j'ai à faire, etc. etc. pour pouvoir... Enfin, je prends mon temps. C'est-à-dire je prends ce que j'ai envie de prendre. Et là, refaire des vidéos, ça me plaît, et j'aime bien faire des vidéos comme ça, un peu de en réel, on va dire. Parce que c'est vrai que ça me manquait un petit peu, on va dire. Granupio, je pense que je peux pas faire grand chose. Ah, j'ai quand même 74 bonbons. Garde-voir. Ouais, c'est pas dingue non plus. Mascadra, Chapignon, Paracool. Normalement, je... Ah. Attends, je vais faire un petit truc parce que j'ai quelques petits bonbons magiques en... en stock. 115, donc il m'en manque 10. Allez, je vais mettre les 10. En même temps, ça libère un peu mon sac. Ah merde, il m'en manque encore un. Ah ben non, un, ça sera suffisant. Alors, hop, on va le faire évoluer. On va se faire évoluer le Paracool. Donc là, c'est vrai que ça fait que 6 minutes, à peu près. Et en 6 minutes, on va dire que j'ai pas mal fait le café. J'ai pas mal envoyé tout ce que j'avais envoyé, etc. etc. Donc c'est plutôt cool. Franchement, là, on est plutôt pas mal. Et voilà, juste assez de bonbons. Parce qu'en gros, quand on fait évoluer, ça quand même, ça redonne un bonbon. Comme si on transfère le Pokémon. Ça, c'est plutôt cool. Je l'ai aperçu il y a quelques temps déjà, mais je m'en sers pas souvent de ça. Après... pas non plus dingue quoi. Là, hop. Monaf limit, voilà, nickel. Toi je crois qu'il te faut un truc spécial pour te faire évoluer. Qu'est-ce que je fais? D'ailleurs faudrait que j'enlève le chien. Je crois que ça vient d'un œuf. Est-ce que toi j'aurais assez de bonbons? Non, toujours pas. Il y a vraiment des Pokémon, c'est abusé à quel point il faut des bonbons pour les faire évoluer. Qu'est-ce que j'ai comme Pokémon qui serait intéressant à faire évoluer? J'ai deux gros dons. Est-ce que j'ai assez pour Tartipousse? Allez, on se fait un... un Torterra, voilà. Je me rappelais plus du nom de l'évolution. Après, on va dire que c'est vrai que c'est pas les générations que je connais le mieux. Celle que je connais le mieux, c'est surtout la première, deuxième. À la rigueur, la troisième, que j'ai pas mal joué aussi sur Ruby Saphir. Merde, quel con. Et là, hop, on refait évoluer. Et non, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas trop mal. Par contre la batterie elle descend vite. Ouais. J'étais à fond et là il n'y a plus rien de GD. C'est bizarre. Donc voilà. 2300. Wistikram. Je peux aussi faire un Simiabraz. Simiabraz. Qui était un Pokéball que j'avais, je crois. C'est quelle version celle-là? C'est Platine? Non. Oui, si, je crois que c'est ça. C'est Platine ou c'est noir et blanc? Je sais plus. Sincèrement, n'hésitez pas à me le rappeler, parce que je risque de m'en rappeler après, mais... je sais plus si c'est dans la version Platine ou noir et blanc. Il me semble bien que c'est dans la version Platine. Oui, non, noir et blanc, c'est Rotiflame. C'est ce qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je me suis pas trompé dans ce que j'ai dit, c'est Platine. Que j'avais d'ailleurs, je l'avais pris. Est-ce que je peux faire un petit plouf aussi? Parfait. Putain, j'aurais. Comment on l'appelle déjà? Un plouf après, celui de près. Et après, c'est Pangolin. Voilà. Franchement, j'arrive à m'en rappeler, mais
Ces gènes-là, c'est vraiment des gènes que je ne connais pas, et celles d'après encore moins. X et Y, franchement, j'y ai pas joué. C'est peut-être le seul que j'y ai pas joué. J'ai joué à toutes les versions en fait, sauf celle-là. Celle-là, j'y ai pas joué. J'ai pas joué à X et Y. J'ai joué à Noir et Blanc. J'ai joué à Soleil, Lune et récemment. J'ai joué à Saphir Alpha. J'ai joué Ultra Soleil, Ultra Lune. J'ai joué à Let's Go Evoli. Let's Go Pikachu, mais bon, on s'en fout un peu. Voilà, il y a vraiment. J'ai joué toutes les versions sauf XY. XY, c'est des versions que j'ai pas touché. C'est une version que j'ai pas touché. Une gen que j'ai pas. Voilà. Lixi, tu peux le faire évoluer. Donc on va le faire. 25 seulement pour un Luxray. Bizarre. Si, ça me semble bien que c'est. Ouais, c'est la génération platine. Ça. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble bien que c'est génération platine. Donc quatrième génération. Ah, il peut révoluer derrière. Ah merde. Je pensais que c'était la dernière évolution. Luxray, c'est le dernier, mais il... Non. Il s'est tombé, je me gourre dans mes trucs. C'est pas très grave. Allez, hop, on fait évoluer Dinoplier en Dynamoclès. Si je ne me trompe pas, j'ai peut-être des conneries, mais je crois que c'est ça, Dynamoclès. Donc là, on a vraiment pas mal. Ah, Rose Verda, c'est vrai que j'aurais pu le faire aussi. Ah non, Boustiodon. Je sais pas pourquoi j'avais un Dynamoclès. C'est n'importe quoi, je disais, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux faire évoluer l'un de ceux-là? Mais après, le truc, c'est que j'ai envie de les garder, ceux-là, pour l'instant. On peut faire un Apiren, normalement, voilà. Là, il y a vraiment beaucoup d'évolutions, je sais même pas combien j'en ai fait pour l'instant. C'est vrai que j'aurais pu mettre un 9 chances. J'y pense jamais à 9 chances. Vraiment jamais. Parce que 9 chances, ça peut rapporter pas mal d'XP, et en sachant que je suis pas encore au niveau 40, je sais pas comment ça marche. Après niveau 40, en fait, ça fait qu'on gagne plus d'XP ou je sais pas comment ça marche. Pas du tout. Donc, tac tac, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut faire évoluer? Archéomie. Non, il me manque 20. Tant pis. Hippopotasse, je peux le faire évoluer. J'ai eu juste assez de bonbons récemment, ce week-end, je crois, pour dire que voilà, je peux avoir un Hippodocus. C'est fait. Donc en un week-end, hein, j'ai eu un week-end, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir tous les bonbons possibles et inimaginables. Il est pas dingue, c'est vrai que je suis pas non plus des niveaux exceptionnels. Hein. Cradopo, je peux aussi le faire évoluer. On le croira dès après, mais c'est Croatox, je crois, si je me trompe pas. Donc là on est plutôt pas mal. Moi franchement j'apprécie énormément de pouvoir faire autant d'évolutions en si peu de temps. Alors qu'est-ce qu'on a? Vipelière, j'ai pas assez. Bruit cuit, j'ai assez mais j'ai pas envie parce que voilà. Toi j'ai pas voilà. Moustillon, on est pas mal hein. On a 70 bonbons. Rattentif, on peut le faire évoluer. Ah là, moi c'est vraiment pour compléter le Pokédex que plus pour autre chose. Hein. Et puis l'avantage c'est que là il fait pas mal frais et mon téléphone ne rame pas du tout. Mais après c'est pas le même téléphone que ce que j'avais avant qui ramait de ouf et tout. C'est avant j'avais un Sony. C'était quoi? Sony Xperia Z, je crois. Oui, c'est ça. Et alors que là, c'est pas du tout un Xperia Z, c'est un Huawei qui est avant l'embargo qui est en ce moment sur les Huawei et qui aura tout le temps parce qu'en fait, Trump a décidé. Huawei a décidé que même si Trump décidait de lever l'embargo,
Huawei ne retournerait plus avec Android, ben plus avec Google, ouais. Pas Android mais Google, parce que voilà, ils trouvent que c'est pas fait, enfin, ils veulent plus avoir affaire avec Google. Donc, au final, c'est pas un bon pour un mauvais, mais c'est un changement. J'ai pas assez de bonbons. Précision. Ah si, je dois avoir assez de bonbons pour lui. Allez, hop, on fait évoluer. Parce que j'ai une centaine de bonbons quasiment. Et je pense que ça doit être faisable. Je pense, je suis pas sûr. Si, on peut, si je peux pas le faire, je le ferai pas. Mais... ah oui, c'est bien s'il me semble. Je peux le faire. Allez, hop. Hop. Et normalement, ce Pokémon-là, il me semble qu'il a deux formes. En gros, il a une forme mâle et une forme femelle, qui est vraiment très différente l'une de l'autre. Et ça, c'est la forme mâle, je crois. Mâle, pas femelle, mâle. C'est ça, c'est un mâle. Donc c'est la forme mâle. Si j'ai une femelle, je pourrais avoir une forme qui sera différente. Rototaupe, pas assez pour avoir un linotaupe. Tritonde, pas assez pour avoir un tritonde. Toi, pas assez non plus. Toi, t'évolues pas. Toi, j'ai dû en avoir qu'un seul. Voilà. Tout à fait. Ah, j'ai assez tout à fait. Allez, on va se faire un tout en café ou un tout. Si, c'est ça, tout en café. Il me semble, si je ne me trompe pas, c'est ça. Je peux peut-être me tromper un petit peu, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité. Donc là, je pense que je peux compléter quand même pas mal de Pokédex, même s'il y a encore quelques trous à gauche et à droite. Mais ça avance plutôt pas mal. C'est ça, tout en café. Alors, lui, j'ai pas assez de bonbons. Et puis en plus, le truc qui serait intéressant, c'est de le faire évoluer en échangeant, parce que comme ça je ne paye pas de bonbons. C'est comme, en fait, en gros, lui, normalement, on doit le faire évoluer avec lui. En fait, si on fait évoluer les deux, si on fait échanger l'un contre l'autre, ils évoluent tous les deux. Alors, ton pignon, j'avais pas assez de bonbons. Clic, pas assez de bonbons pour faire évoluer en double, pas assez de bonbons pour faire évoluer. Polarum, pas assez non plus. Toi, bon, non plus. Toi, allez, on va se faire un... Putain, je me rappelle plus du nom. Un Gringolem. Non, c'est lui, Gringolem. Je me rappelle plus. Golemastuck, voilà. Golemastuck, putain, ouah. C'est... Voilà, il y a des noms comme ça. C'est pas... Après, c'est pas mes Pokémon favoris, parce que moi, ceux que je préfère, c'est vraiment ceux de la première G. Et, bah, c'est les authentiques, quoi. Mais et voilà, on a fait le tour, je pense, de presque tous les Pokémon que je voulais faire évoluer. Et ça fait déjà pas mal. Donc je vais retourner sur la première G. Parce qu'il y a un truc que je pense que je peux faire. Je vais trouver plus Articonin. Ah, j'ai juste assez de bonbons. Donc on va le faire monter. Hop, voilà, parce qu'en gros, je voulais, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir, je m'en mange, c'est pouvoir au final arriver à avoir un Articonin full pété, quoi, non, à 2300, 2400, 2500, on s'en fout. En fait, je dis n'importe quoi, tiens, ce passe-toi, par contre, est intéressant. Voilà, un Pokémon qui soit vraiment pété, un Articonin qui puisse faire le café, donc voilà. Donc là, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Je vais capturer ce petit Venipat et après on va s'arrêter là-dessus. Alors merde. Donc, je commence à avoir un peu froid aux mains. Donc voilà. Donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Et que voilà, au final, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je pourrais améliorer, qui vont bien, qui vont pas bien. Parce que là, la caméra, bon, je pense que celle-là, elle doit faire le café.
Parce que, bon, après le prix que j'ai payé, c'est pas non plus extraordinaire, hein, j'ai payé un certain prix, etc. etc. Ça, je m'en tamponne un peu le coquillard du prix que je l'ai payé, mais je pense que vu le prix que je l'ai payé, elle doit faire le boulot, quoi. Elle doit faire le taf. Donc, c'est pas le gros du problème. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est savoir s'il y a des problèmes techniques. Ça fait partie du problème technique, mais on s'en fout. Que je puisse régler, on va dire, avec un montage ou avec un truc comme ça. Parce que, voilà, moi j'aime bien que ce soit bien fait, que ce soit propre et tout. Même s'il faut que ça prenne du temps. Parce que j'aime pas quand c'est mal fait. Voilà. Surtout ces choses-là, quoi, parce que c'est quelque chose quand même que je prends du temps à faire, on va dire, plus ou moins. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. On s'arrête sur cette capture. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était MMC Melor. Je vous dis ciao ciao.